Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Chinda Kenelioni, enseignante de technique commerciale. Je suis également votre tutrice en technique commerciale pour la classe de première ACC. On va corriger le devoir de la dernière fois qui concernait la fonction commerciale. Deux questions ont été posées. Quel est le rôle de la fonction commerciale et quelles sont les étapes d'une démarche marketing? Alors, quel est le rôle de la fonction commerciale? Le marketing, la fonction commerciale, comme on l'a vu la dernière fois, a trois rôles. Le marketing ou mercatique, on a vu qu'il s'agit là d'aller vers les clients, de rechercher leurs besoins, afin de revenir mettre sur pied un produit qui va satisfaire justement ce besoin-là. On a le deuxième rôle qui est la communication. En fait, là, il s'agit de faire connaître les produits ou encore les informations concernant les produits aux consommateurs et également de faire remonter l'information venant des consommateurs vers l'entreprise. On a également comme rôle la vente, justement vendre les produits de l'entreprise. La deuxième question, c'était quelles sont les étapes d'une démarche marketing? La première étape, c'est de faire un diagnostic, recolter les informations sur l'environnement et l'entreprise et les analyser. Comme on l'a vu la dernière fois, faire un diagnostic externe et un diagnostic interne. Et on analyse donc ce diagnostic-là. À la fin de l'analyse nous permet d'établir des stratégies, de trouver des solutions possibles. Par exemple, si on a des faiblesses ou alors si on a des menaces par rapport au marché. Ensuite, proposer une offre adaptée aux besoins de la clientèle. Et enfin, évaluer l'efficacité des stratégies adoptées. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième thème de notre programme, qui est le cadre de l'activité commerciale. Ce thème est divisé en deux leçons. Les formes de commerce. Alors, cette leçon sera présentée comme suit. On aura les objectifs, les prérequis, la situation problème, les activités d'apprentissage, le résumé, les exercices d'application et un devoir. Comme objectif, cette leçon a pour objectif, en fait, à la fin de la leçon, vous allez citer les fonctions de l'activité commerciale. Et deuxième objectif, citer les formes de commerce. Avant d'aborder cette leçon comme prérequis, il nous faut connaître ce que c'est que la fonction commerciale. On a détaillé toute cette notion-là la dernière fois, la leçon précédente. Alors, mettons-nous donc en situation pour mieux comprendre la leçon. Monsieur Atangana. Ici, on a plusieurs situations. On a M. Atangana, par exemple, qui se balade pour vendre ses ceintures. On a Alima, qui a une petite boutique chez elle, où elle vend les produits alimentaires. On a Annie, Tamo et d'autres personnes qui ont chacune sa boutique au quartier.
et qui se mettent ensemble pour faire leur achat. Alors, vous êtes d'accord avec moi que toutes ces personnes exercent une forme de commerce. Mais seulement, quelles sont ces formes de commerce? En réalité, quelles sont les formes de commerce qui existent? C'est à cette question que nous allons répondre tout au long de la leçon. Commençons par citer les fonctions de l'activité commerciale. L'activité commerciale a deux grandes fonctions. La fonction de gros et la fonction de détail. La fonction de gros. En réalité, cette fonction, que fait cette fonction? Elle achète régulièrement, il s'agit d'acheter régulièrement et en grande quantité, ou encore en quantité importante. Ici, cela permet permet aux producteurs de ne pas se retrouver en surstockage. Ça, c'est lorsque les entreprises ou encore les commerçants achètent en gros. Il s'agit également de centraliser et de stocker les marchandises pour les détaillants. Là, ça, on apporte une aide aux détaillants. On centralise, on stocke les marchandises pour que les détaillants viennent donc s'approvisionner afin d'aller vendre aux consommateurs finaux. La fonction de détail. S'approvisionner en marchandises pour les revendre en petite quantité aux clients. On a ici les détaillants, comme on a cité tout à l'heure. Ceux qui ont leur petite boutique, par exemple, au quartier, qui vont l'acheter chez les grossistes et revenir vendre en petite quantité aux clients. Si vous voulez, c'est pour ça qu'à la boutique du quartier, vous allez pouvoir aller acheter un demi-pain que vous allez charger avec une cuillère, par exemple, de chocolat. Tout ça, c'est du détail. Et c'est la fonction de détail qui assure ces activités-là. Donc, on a la fonction de gros qui achète en grande quantité. On a la fonction de détail qui permet aux clients de s'approvisionner, de consommer le produit en petite quantité. Abordons donc les formes de commerce. Notre deuxième articulation de la leçon. Quelles sont les formes de commerce? Comme vous voyez ces trois flèches, on a trois grandes formes de commerce. Le commerce associé, le commerce intégré, le commerce indépendant. On va donc détailler qu'est-ce que le commerce associé, qu'est-ce que le commerce intégré, qu'est-ce que le commerce indépendant. Nous allons commencer par le commerce indépendant. En fait, c'est une forme de commerce dans laquelle les fonctions de gros et de détail sont séparées. Donc, une entreprise ne fait que peut-être dans du gros ou alors dans du détail. Les deux fonctions ne sont pas cumulées dans une entreprise. Là, le commerce est indépendant. On a le commerce indépendant de gros, comme on l'a dit, et le commerce indépendant de détail. Puisque la particularité du commerce indépendant, c'est que chacun a une spécialité, soit de gros, soit de détail. Alors, comment se passe le commerce indépendant de gros? Les commerçants achètent les marchandises en grande quantité auprès des producteurs pour revendre aux détaillants. Donc, comme le nom l'indique, commerce de gros, ils vont acheter les marchandises en grande quantité. Et ils viennent donc revendre ces quantités-là aux détaillants. Le commerce indépendant de détail. Ce commerce est divisé en deux. On a le commerce indépendant de détail, encore le commerce sédentaire et le commerce non sédentaire. Le commerce indépendant sédentaire, c'est un commerce dans lequel il y a un lieu fixe d'exploitation. C'est-à-dire que le commerçant a un endroit fixe où il effectue son commerce. Par exemple, la petite boutique du quartier, ça c'est le commerce indépendant sédentaire, puisqu'il a un lieu fixe d'exploitation. Le commerce non sédentaire, c'est une forme de commerce dans laquelle il n'y a pas de lieu fixe d'exploitation. Les commerçants sont ambulants. Vous allez voir pourquoi notre situation de début
nous a parlé, par exemple, de Monsieur Atangana qui se balade pour vendre ses ceintures. Lui, il fait dans le commerce indépendant, non sédentaire, puisqu'il n'a pas de lieu fixe d'exploitation. Il vend un peu de partout là où il peut se trouver, là où il peut se mettre et puis vendre ses produits. Ça, c'est tout pour le commerce indépendant. Donc, on a le commerce indépendant de gros et le commerce indépendant de détail. Et dans le commerce indépendant de détail, on a le commerce indépendant sédentaire et le commerce indépendant non sédentaire. Abordons la deuxième forme de commerce, le commerce associé. Comme le nom l'indique, il y a association. Association des commerçants indépendants sous diverses formes. Pour regrouper différents types d'actions commerciales. Donc, on a des commerçants indépendants, comme on a vu tout à l'heure, indépendants de gros ou de détail, qui se mettent ensemble pour pouvoir effectuer leurs actions. On a comme commerce associé les chaînes volontaires, qui est un regroupement de commerçants indépendants faisant appel à un ou plusieurs grossistes. C'est pour ça qu'on va parler de chaînes. En fait, plusieurs commerçants, par exemple, détaillants, se mettent ensemble et puis s'associent à un grossiste. Ça veut dire que c'est ce grossiste-là qui les livre, à un ou plusieurs grossistes. C'est les grossistes choisis qui leur livrent la marchandise. Pour ça, on parle de chaînes. On a un grossiste qui travaillent avec des détaillants. Donc, on a les chaînes volontaires, on a les groupements d'achat. C'est un regroupement de détaillants ou de grossistes pour optimiser leur achat et bénéficier des conditions avantageuses grâce à l'effet de volume. Donc, plusieurs détaillants ou plusieurs grossistes vont s'associer ensemble. Dans notre exercice dans notre situation problème, on a trois situations présentées, Annie et les autres, qui chacun d'eux a sa boutique au quartier. Maintenant, les trois, par exemple, ou encore tous ensemble, s'associent pour effectuer leurs achats. Ce ne sont pas de groupement d'achats. Donc, les achats sont groupés. Ils vont se mettre en groupe pour aller effectuer leurs achats. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bénéficier des conditions avantageuses grâce à l'effet de volume. Puisque, étant seul, si le commerçant, peut-être celui qui... si on va prendre l'exemple de ces trois qui font, chacun a sa petite boutique au quartier. S'ils vendent, s'ils ont l'habitude peut-être d'acheter 10 pains pour la journée, s'ils se mettent ensemble, on se rend compte que le volume va grandir. Ils n'iront plus chez le commerçant, chez le vendeur, avec une commande de 10 pains. Mais on aura environ 30 pains qui seront commandés. Et maintenant, puisque le volume a augmenté, on est de 10 à 30, ils vont bénéficier des conditions avantageuses, peut-être des réductions sur le prix par rapport à la quantité qu'ils ont achetée. Voilà ce qu'on appelle le groupement d'achat. Ça peut aussi être des grossistes qui se mettent ensemble pour que leurs services qu'ils achètent d'abord en gros, mais maintenant lorsqu'ils se mettent ensemble, le volume encore augmente. On a par exemple dans le cadre dans les entreprises de boissons, par exemple, on a les grossistes qui sont généralement les dépositaires. Je veux dire qu'on dépose les produits, ils ont généralement les dépôts et trois commerçants qui possèdent un dépôt, chacun un dépôt, peuvent se mettre ensemble pour aller maintenant, par exemple, à la brasserie du Cameroun pour avoir, pour que les volumes soient plus importants. Et là, maintenant, ils pourront bénéficier des réductions de prix. On a également la franchise, qui est également une forme associée, une forme de commerce associée. La franchise, c'est quoi? C'est un contrat par lequel une entreprise appelée franchiseur donne à une autre entreprise appelée franchisée le droit d'utiliser son enseigne, sa marque ou son savoir-faire en contrepartie d'une redevance appelée royalty. Donc, en fait, on a deux entreprises. Un qui est franchiseur, l'autre
qui est franchisé. Et le franchiseur donne au franchisé le droit d'utiliser sa marque, son savoir-faire, ainsi de suite. Mais à la fin, il attend une contrepartie qui est appelée royalty. Voilà une image qui montre un peu les différentes activités dans la franchise, ce que la franchise implique. On a cette image, par exemple, qui montre les signes distinctifs. Donc, le franchiseur met à la disposition du franchisé des signes distinctifs. Ça peut être l'enseigne, ça peut être un point de vente, ça peut être sa marque. Ça, c'est la franchise. Dans la franchise également, on a la mise à la disposition du savoir-faire. C'est pour ça que vous voyez là un tic. C'est-à-dire que le franchiseur donne son savoir-faire au franchisé. C'est-à-dire que le franchisé peut lui-même fabriquer le produit du franchiseur. On a ici l'assistance permanente. Le franchiseur assiste en permanence le franchisé, puisqu'il doit vérifier l'évolution de ses ventes, voir comment les choses marchent. On a également cet autre élément qui est facultatif, ça c'est l'exclusivité. Là, le franchiseur peut choisir de signer un contrat de franchise exclusif avec le franchisé. Là, c'est facultatif. Autre forme de commerce associé, on a la concession. C'est un contrat conclu entre deux parties dans lequel un fournisseur appelé concédant donne à un ou plusieurs commerçants appelé concessionnaire, le droit de vendre son produit et d'exploiter sa marque pendant une période déterminée. En fait, la concession, on a aussi deux personnes, on a un concédant qui donne le droit à un concessionnaire de vendre ses produits. Donc, les deux, la franchise et la concession, parfois, peuvent chercher à se confondre. Mais il y a des différences. Regardez les images. On a, comme dans la franchise, cet élément qui revient, le concédant met à la disposition du concessionnaire des signes distinctifs, c'est-à-dire des produits, marques, l'enseigne, pour que celui-ci vende ses produits. Mais vous voyez que le savoir-faire, la mise à disposition du savoir-faire est carrément barré avec une croix rouge, pour montrer que le concédant ne donne, dans la concession, le concédant ne donne pas son savoir-faire à au concessionnaire. C'est la différence qu'il y a entre la franchise et et la concession. C'est un autre élément qui est facultatif également, revient. Donc, il peut choisir, le concédant peut choisir d'assister en permanence son concessionnaire. Maintenant, et là, c'est facultatif, il peut choisir le faire ou ne pas le faire. Cet autre élément, tout à l'heure, la franchise, c'était facultatif, mais ici, ce n'est pas facultatif. Avec la concession, le concédant a l'obligation de signer un contrat de concession exclusif avec son concessionnaire. Donc voilà les différentes formes de commerce associé. Commerce intégré, c'est une forme de commerce dans laquelle les fonctions de gros et de détail sont remplies par une même entreprise. Donc là maintenant, il n'y a plus de séparation. Une même entreprise fait le commerce de gros, également le commerce de détail. Et généralement, cette forme de commerce intégré, on le retrouve beaucoup plus dans les grandes surfaces, dans les magasins, les supermarchés, ainsi de suite. Voilà pourquoi les exemples de formes de commerce, nous avons par exemple, on a des points de vente à dominante alimentaire, des points de vente qui vendent beaucoup plus, font beaucoup plus dans l'alimentation. On a les bazarettes, qui ont une superficie de moins de 120 mètres carrés, les supérettes, superficie de comprises entre 120 et 400 mètres carrés, les supermarchés comprises entre 400 mètres et 2500 mètres carrés, et les hypermarchés plus de 2500 mètres carrés. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de supermarchés au Cameroun, mais hypermarchés, il faut encore voir. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'hypermarchés au Cameroun, parce que la surface est vraiment grande. On a maintenant les points de vente à dominante non alimentaire. Ici, il s'agit des points de vente qui font beaucoup plus dans les produits non alimentaires, qui vendent beaucoup plus les produits non alimentaires. On a les grands magasins. C'est une grande surface offrant un assortiment large et profond des produits haut de gamme à prix très élevé. Les magasins populaires,
surface inférieure à celle des grands magasins, offrant un assortiment réduit des produits bas de gamme à prix abordable. On a un magasin à succursale multiple, un magasin qui possède plusieurs points de vente, par exemple le magasin Faucourt ou bien Kifeu. Les magasins spécialisés sont les magasins offrant un assortiment très complet d'une catégorie précise d'articles. On a par exemple le magasin City Sport qui est spécialisé dans les équipements sportifs. Alors, on peut avoir dans ce schéma de l'appareil commercial qui résume nos formes de commerce. Commerce indépendant, de gros et de détail. Et le détail est subdivisé en sédentaire et non sédentaire. Commerce associé, on a les chaînes volontaires, les groupements d'achat, la franchise et même la concession. Le commerce intégré, on a à dominante alimentaire, bazarette, supérette, supermarché, hypermarché. Et à dominante non alimentaire, les grands magasins et autres. En résumé, on peut dire qu'il existe trois principales formes de commerce, à savoir le commerce indépendant, le commerce associé, le commerce intégré. On va donc passer à un exercice d'application. Dans le commerce associé, on a parlé de la franchise. Comment donc se passe en réalité le contrat de franchise? Qu'est-ce qui peut aider une entreprise à décider de signer un contrat de franchise ou ne pas le faire? On a ici M. Atangana qui veut créer une entreprise agroalimentaire. Mais il hésite entre développer sa propre marque et signer un contrat de franchise avec une entreprise française. Alors, quelles sont les conditions? Les conditions du marché sont les suivantes. Sans franchise, donc si M. Atangana n'utilise pas la franchise, par rapport aux ventes, il aura 300 000 unités à 15 000 francs l'unité. Les charges fixes seront de 200 939 000. La marge sur coût variable est de 15% du chiffre d'affaires. Et avec la franchise, le chiffre d'affaires va augmenter de 10%. La marge sur coût variable est de 10%. Les charges fixes baissent de 2%. La redevance annuelle s'élève à 0,5% du chiffre d'affaires. L'assistance technique s'élève à 4 350 000. Alors, travail à faire. En vous basant sur le résultat, quel conseil donnerez-vous à M. Atangana? Est-ce qu'il devrait fonctionner sans franchise, sous sa propre marque, ou alors signer un contrat de franchise? Corrigeons donc le devoir, l'exercice. Sans franchise, on doit calculer le chiffre d'affaires. On sait quand même que le résultat est égal à la marge commerciale, ou marge du coût variable, moins les charges fixes, moins les autres frais qui viennent en réduction, comme la redevance ou l'assistance. Donc, le chiffre d'affaires sans franchise, il avait une marchandise, ses ventes s'élevaient à, il avait 300 000 de quantité, il vendait à 15 000 francs une unité. Donc, on a donc ce chiffre d'affaires de 4 milliards 500 millions. Avec la franchise, on a dit que ce chiffre d'affaires sans franchise augmente de 10%. Pourquoi? On va prendre ce chiffre d'affaires qu'on multiplie par 110% puisqu'il y a une augmentation. Donc, ça nous donne donc 4 milliards 950 millions. La marge sur coût variable était de 15% du chiffre d'affaires sans franchise. Ça nous donne donc 675 millions. Et avec franchise, c'était de 10% du chiffre d'affaires. Les 10% nous donnent 495 millions dans le mois. Les charges fixes. On nous a donné les charges fixes qui s'élevaient à 200 939 000. Maintenant, avec la franchise, on a dit que ces charges fixes baissent de 2%. Or, s'il y a baisse, ça veut dire qu'on va appliquer un taux de 98%. S'il y a baisse de 2%. Alors, avec la franchise, ce taux s'élève donc, les charges fixes s'élèvent à 196 millions, autant pour moi, 920 220 francs. On calcule la redevance. On sait que sans franchise, il n'y a pas de redevance, ni d'assistance technique. Donc, on va calculer avec la franchise. La redevance qu'on nous donne, on a dit que c'est 5% du chiffre d'affaires. Donc, c'est 5%, donc on donne 24 750 000.
Et l'assistance technique a été donnée, qui était de 4 350 000. Alors, il faut donc calculer le résultat. Comme le montre le tableau, le résultat égale à marge, moins charge, moins redevance, moins assistance technique. Sans franchise, M. Atangana aura un résultat de 474 061 000 francs. Avec franchise, il aura plutôt un résultat de 268 979 780. Il faut donc comparer ces deux résultats. On comprend qu'avec la franchise, le résultat est, sans franchise, pardon, le résultat est plus élevé. Donc, quel conseil est-ce qu'on donne donc à M. Atangana? Le résultat du fonctionnement sans franchise est plus élevé que celui avec la franchise. Donc, M. Atangana doit fonctionner sans franchise. Bon, voilà un peu comment, ce qui peut permettre à une entreprise ou un individu de décider signer un contrat de franchise ou pas. Il devrait bien analyser, calculer son résultat et voir, pouvoir comparer si le résultat sans franchise est plus élevé ou alors le résultat avec franchise est le plus élevé. Dans tous les cas, il choisira l'option où le résultat est le plus élevé. Voici donc un devoir pour asseoir les notions à la maison. On va le corriger à la prochaine leçon. Hassan voudrait se lancer dans la commercialisation des produits laitiers. Il hésite entre développer sa propre marque et signer un contrat de franchise. Les conditions du marché sont les suivantes. On a la franchise avec Kossam de Halim, la franchise avec la bergère. On a les conditions qui sont développées là. On a le chiffre d'affaires, la marge commerciale, les charges fixes et la redevance selon chaque franchise. Maintenant, sans franchise, le chiffre d'affaires réalisé est de 6 millions de francs. La marge commerciale est de 8% du chiffre d'affaires et les charges fixes s'élèvent à 18 000. Voilà les informations que nous avons sur ce cas. Le travail à faire, donc, c'est en vous basant sur le résultat conseillé à Sam. Donc, vous vous rappelez que, comme on l'a fait tout à l'heure dans l'exercice d'application, et le résultat, il faudra analyser selon chaque franchise selon avec chaque entreprise. Ici, Hassan veut a deux entreprises devant lui qu'il pourrait avec lesquelles il pourrait signer un contrat de franchise. Laquelle choisir ou alors est-ce qu'il faudra même fonctionner avec la franchise? Donc, on comprend qu'il faut calculer déjà le résultat sans franchise, calculer le résultat de la franchise avec Halim et le résultat de la franchise avec la bergère. Ayant tous les trois résultats, alors vous pourrez donc donner le conseil approprié, un conseil bien réfléchi à M. Hassan afin qu'il puisse prendre sa décision et retrouver son commerce ou alors son entreprise évolue dans de bonnes conditions. Nous sommes arrivés ainsi au terme de notre leçon sur les formes de commerce. La prochaine leçon, la prochaine séance sera basée sur les formes de vente. On a tege minga matere nyum, on a tege majang matere ndom, mane tambia ninyane njubyayen, ngani bana matere mot, ngani lakiri watere ndong, ese kinambia dinkido, mane tambia ninyane njubyayen, tamtama mote tamzabike, tamtama tonge tamzabike, tamtama mote tamzabike, mane tambia ninyane njubyayen.